Bien dans mon immeuble avec Loiselet et Dégremont présentes. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonjour Thomas, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, par ailleurs patron de Loiselet et d'Aigremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui l'extranet en copropriété. Complètement Philippe. Alors avec Philippe Loiselet, on va parler d'un outil digital au service des copropriétaires, l'extranet de leur copropriété. C'est bien ça Philippe Tout à fait. La fameuse loi Allure oui. de, de mars 2014 a imposé aux syndics de copropriété la mise à disposition dès le 1er janvier 2015 d'un espace en ligne sécurisé pour chaque copropriété qu'ils gèrent, en gros un site Internet. Cet extranet doit être accessible à tous les copropriétaires et leur permettre de consulter divers documents et informations liés à la gestion de leur copropriété. Est-ce que ça laisse entendre, Philippe, qu'il y a un contenu minimal obligatoire sur ce fameux extranet Tout à fait, Thomas. Le but de cette mesure étant d'assurer plus de transparence dans la gestion des copropriétés. Certains documents sont obligatoires. Ceux accessibles individuellement, ceux communs et accessibles à l'ensemble des copropriétaires. Et enfin, ceux accessibles aux seuls membres du conseil syndical. Alors on trouve quoi dans le détail? Mais on peut citer de façon non exhaustive, notamment le règlement de copropriété, les convocations mmh. et les procès herbaux d'Assemblée Générale, le contrat de syndic, les contrats en cours d'entretien et de maintenance, et les équipements communs. Et alors, il y a les membres également des conseils syndicaux. Euh, on trouve quoi pour eux eh bien, Les membres élus des conseils euh, de copropriété, quant à eux, accèdent notamment ouais. en plus à la liste de tous les copropriétaires établis par le syndic, à l'état des dépenses de l'immeuble et l'état des soldes des copropriétaires, au relevé périodique des comptes bancaires du syndicat des copropriétaires, ou encore aux éventuelles procédures en cours qui concerneraient la copropriété. Alors, chaque copropriétaire dispose de quoi comme document individuellement Eh bien, il dispose, ou il doit pouvoir consulter, ouais. des documents relatifs à son ou ses propres lots, tels que les avis d'appel de fonds, son compte individuel arrêté après approbation des comptes, euh, de l'Assemblée générale annuelle. Le montant des charges courantes du budget prévisionnel par exemple, ainsi que le moyen de mettre ces informations personnelles à jour. Alors on, là on voit qu'il y a des documents, hein, quand concrètement des, des, des consultations de documents possibles et d'informations, mais l'extranet il a d'autres fonctions normalement Oui, nous pouvons par exemple évoquer le service du paiement en ligne pour régler ses charges, soit ponctuellement, soit par mise en place d'un prélèvement automatique, ou l'espace de, de conversation avec son équipe de gestion. Alors, il y a un coût de mise en fonctionnement de ce type d'extranet Non, les coûts liés à la mise en place et à la gestion de cet extranet doivent être inclus dans les honoraires forfaitaires annuels du syndic. Ils ne peuvent pas, normalement, faire l'objet d'une facturation supplémentaire. Alors, est-ce que c'est un outil si bénéfique pour les copropriétaires et pour la copropriété Mais Je le pense. C'est d'ailleurs pour ça que chez l'OSD des Grands l'extranet existait bien avant l'obligation légale. Ouais. Il est conçu pour, amé pour améliorer la gestion, la communication et la transparence entre les différentes parties prenantes. Je souhaite conclure cette chronique pour dire à tous les copropriétaires qui ne l'ont pas encore fait fournissez une adresse électronique à votre syndic mmh. et connectez-vous à votre compte sur l'extranet de votre copropriété. Vous pourrez trouver des informations très intéressantes et très pratiques pour vous. Merci Philippe et Thomas. Nous vous retrouvons vendredi prochain pour un autre numéro d'Osez investir Les incontournables de la copropriété. Et on vous retrouve également, Thomas, tous les dimanches matins dès 9h30 dans le grand matin week-end. Sud Radio Les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Dégremont, bien dans mon immeuble.